Est-ce qu'il pour une nouvelle vidéo? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve pour un nouveau concept sur du Fortnite et où je vous présente les défis. Donc n'hésitez pas à partager un masse. Donc premier défi, donc on se retrouve sur le défi pour donc pour le premier défi qui est donc le château d'eau. Donc c'est parti. Donc je vais vous présenter ici donc danser sur un château d'eau, une tour de surveillance et une tour de contrôle. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et si vous aimez le concept, je présenterai bien entendu donc les autres défi bien entendu sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à spammer les pouces bleus. Encore une fois, je fais ces games à l'arrache, donc je cherche pas le kill. On va spawn ici donc à Ritai, pour donc spawn sur le château d'eau. Avant toute chose donc encore une fois, je cherche pas le kill, je fais juste les défis pour vous aider. Donc si le concept vous plaît, encore une fois, abonnez-vous et partagez en masse pour vos potos qui sont en galère. C'est parti. Voilà, donc ici on a sauté comme vous pouvez le voir et on va donc descendre doucement sur Ritai. Avant toute chose, lootez-vous bien parce qu'il y a pas mal de montes sur Ritai. Comme il y a les défis qui de la semaine 5 qui viennent d'arriver, lootez-vous ou alors allez directement et faites une game juste pour ça. Tant pis pour les stats, franchement moi c'est ce que je fais. On est là pour le fun avant tout, donc franchement vous gênez pas. Et vous pouvez voir donc à l'écran qu'il y a pas mal de monde. Je vais me faire buter direct, je vais pas chercher à Bren ou autre. Surtout que quand si on saute de ce château d'eau direct, vous perdez masse vie. Et là vous pouvez voir donc que je suis pas seul. Le mec, je lui mets juste un petit coup de pioche là des familles, j'ai dansé après, donc il m'a allumé direct. Donc c'est parti pour l'autre défi qui est donc pour comme vous le voyez à l'écran, donc pour danser autour de la au sommet de la tour de surveillance, incendie, je pense que c'est ça, si je me trompe pas. Parce que donc j'enregistre d'abord les gameplays et après je viens commenter par-dessus pour ces défis qui est largement plus facile pour moi. Et je pense aussi qui est plus compréhensif pour vous niveau voix. Donc voilà, c'est parti, on est en route, en cours de chargement. En attendant, n'hésitez donc pas à mettre encore une fois un pouce bleu, à partager un max cette vidéo et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait les potes. C'est très important pour m'encourager et à développer la chaîne. Je compte sur vous en tout cas pour ce nouveau concept que je trouve plutôt, on va dire, pas original parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui le font. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire aussi sur la chaîne si ça peut aider ma communauté et en faire ramener d'autres. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas les gens qui pleuraient après du Fortnite sur ma communauté. En voici, en voilà, et j'espère que donc ça va vous plaire. Donc voilà, on est au spawn. Il y a aussi un défi, je sais pas si vous savez, donc détruire des structures. Je crois que voilà, ouais, il y a un défi donc qui pour détruire des structures. Donc et je pense donc que ça compte quand vous êtes ici à l'avant l'avant-game. Je pense que ça se dit ainsi. Si je me trompe, désolé. Donc voilà, ici donc on va spawn à Lonely, ouais, Lonely si je me trompe pas, on va spawn là-bas sur la grande tour en bois pour donc danser sur le sommet de cette tour. Donc c'est parti, donc vous voyez que j'ai mis le point sur la carte, ça se passe exactement là-bas. Ouais, donc ça se passe là-bas, voilà. Ouais, ici donc on saute et j'ai donc le petit planeur en ce moment, Big Burger, donc dédicace à TK78 bien entendu. Quand j'ai vu ce planeur, je me dis putain, ils ont pensé à lui, c'est un truc de ouf les potes. Et je sais bien qu'il y en a des ceux dans ma commu qui le regardent ou qui pensent à lui, et franchement il est énorme ces gars, il est comme le planeur, il est aussi énorme. Donc voilà, on arrive donc doucement sur la tour. Vous voyez qu'elle est juste devant moi, idem les gars. Je vais pas chercher au début, je me dis, tiens, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Tant pis, c'est pour la vidéo, on y va. On danse et on se casse, vous allez voir, je vais me faire descendre aussitôt. Je me dis, je vais les laisser tranquilles, ils font leur défi. Donc vous pouvez voir que ça a été mission accomplie. Je descends d'aussitôt et je me fais allumer par en bas. Après, vous pouvez les brain et tout. Si vous voulez vraiment faire la game, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a moyen de faire du kill à mort. En plus, je me loot, hein, vous voyez bien. Je me loot et je me dis, tiens, je le fais ou je le fais pas. Tiens, toi, hop, lui, il m'allume. Et c'est fini. Donc c'est en route pour le 3. Troisième défi qui est donc danser sur le poste de surveillance pour avion. On va donc aller à Frosty Fly, donc là où il y a tous les avions et la petite piste de décollage. Vous allez voir, franchement, c'est super facile. Il n'y a pas plus simple que ça, les amis. Encore une fois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires et surtout à mettre un petit remerciement dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir que je vous ai aidé. Si cela
si je peux dire cela comme ça. Après, même si le défi paraît pas difficile, je sais qu'il y en a toujours qui galèrent un petit peu et qui se demandent quoi qu'est-ce. Donc voilà, je me dis franchement, voilà. Et on est donc en route pour les 3000 abonnés, qui sait, avec ces petits défis. Et je me disais aussi, pourquoi pas le faire comme d'autres. Je sais que je me répète, mais putain, ouais, je suis vraiment content de vous produire ce putain de défi à la con. Qui pour moi est un plaisir de vous faire ça, et donc voilà. Allez, donc semaine 5, hein, je le rappelle, on est donc sur la semaine 5, les amis, partagez en masse. Si vous savez qu'il y a des potos qui galèrent, que ce soit sur Snap, Twitter, Facebook, Messenger, donc c'est la petite tour rouge que vous voyez là en bas de moi. Encore idem, ici vous allez voir, franchement, je vais donc danser et me barrer comme ça. Je vais me barrer juste dans la truc, donc vous mettez là, hop, mission accomplie. Soit vous vous barrez, vous loot. Donc c'est toutes des tours, hein. Il n'y a pas plus simple que ça. Toutes des tours. Et ensuite voilà, donc défi accompli. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez donc pas à partager pour vos potes qui sont en galère. Et un grand merci à tous. Et on se retrouve donc pour d'autres défis. Ciao, bye bye, c'était Neski. Quand je dis pouce, vous dites bleu.